tous et à toutes et bienvenue donc dans la suite de ce playthrough consacré à Fallout 4. Et aujourd'hui nous allons nous débarrasser des pillards dans la station Andrew. Donc on va faire attention. J'ai l'impression que les voix sont un peu faibles, je vais les augmenter. Voilà, comme ça on entendra bien mieux ce qui se raconte. Et moi aussi. Là il y a une tourelle ici. Personne. On les entend donc. Ah, ici. Hop, la tête a sauté. Ah, mais oui, évidemment, évidemment, la structure est tellement bien faite que je ne peux pas leur taper dessus. Je suis obligé de me lever. Voilà, là je suis protégé par un mur invisible. Attention, ça risque de sortir, mais il pourra pas. Sauf s'il peut monter. Ah si, là, ça peut. Enfin, ça peut. Je commence à être chaud. Ok, donc je me suis fait démonter. Ah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Comme là par exemple, là il y a un trou juste énorme. C'est tellement bien fait. Oula, là la tête a fait boum par contre. Tu repartiras pas en vie. Son petit frère qui m'attend. T'appelles tirer droit. Lui je est mort. Vais t'arracher les tripes et en faire un collier. Ah, ça en fait deux dans sa tête quand même. Le troisième devrait pas être loin. Voilà. Ça c'est fait. Donc je disais, on a réalisé notamment un petit live la dernière fois. Certaines choses ont été faites. Et notamment l'une des choses les plus intéressantes, c'est qu'au niveau du fort donc, que l'on a libéré dans l'épisode précédent ici, donc on a amélioré un peu la situation des gens, hein. On leur a mis de l'eau, on leur a mis des défenses, mais on a fait également une quête qui a permis de dégager la possibilité de faire des tirs d'artillerie. La quête en elle-même est pas super intéressante, ça se fait assez rapidement, du coup je me la suis gardée, je l'ai pas forcément mis en ligne. Mais sachez que c'est possible et que parfois je pourrais utiliser cette technique qui est issue de cette quête. Tout simplement, voilà, donc ne soyez pas surpris, ça vient de là. Ensuite j'ai également fait 2-3 petits tours dans certains lieux qui n'ont pas débouché de grosses surprises. Cependant à Hubris Comics, qui est juste ici, vous avez la possibilité de récupérer une hache légendaire, j'allais dire, une hache épique. Ça c'est le... qui est celle-ci, donc Strong là, donc, qui est vraiment sympa, qui fait des très bons dégâts, qui est assez rapide à récupérer, hein, puisque il suffit juste de crocheter une vitrine. Vous y trouvez également un certain nombre de bouquins, donc on y trouve notamment pardon, deux bouquins, un bouquin Histoire à dormir debout notamment, et un bouquin sur Grognak le barbare, hein. Ça il fallait s'en douter, puisque c'est la maison d'édition de ce comics. Et enfin on a récupéré un très joli costume de Silver Shroud, je sais plus comment ça se dit, que je me permettrai peut-être de vous faire voir un jour dans un épisode spécial set d'équipement. C'est vrai que je pourrais faire ça, après le gros problème c'est, je sais pas s'il existe un espèce de mode qui puisse permettre de, un peu comme dans Skyrim, avec un endroit pour ranger ses armures histoire d'y avoir un accès rapidement, ou même comme ce qu'ils ont fait pour les armures assistées, hein. Ça pourrait être sympa, mais en tout cas pour les armures lambda aujourd'hui ça n'existe pas. Hop, là je fais le tour un peu de ça. On va récupérer les munitions, tout ce qui va bien. Hop ici, tac, ce serait dommage de s'en priver, il a pris bien cher. Donc voilà, en tout cas merci d'être toujours aussi nombreux à suivre mes playthroughs. Ça fait plaisir également de voir que de nouvelles personnes s'abonnent. Donc bah écoutez, n'hésitez pas, hein, comme je l'ai déjà dit, à laisser des commentaires, à partager, à liker. Et puis pourquoi pas venir aussi durant les lives pour discuter de tout, de rien. Et surtout de s'amuser. Hop. Allez, c'est parti, on va aller nettoyer ça. Puis après on va voir ce qu'on va faire comme quête, parce que je pense que là ça devrait être nettoyé assez rapidement. La station Andrew. Donc voilà, pour revenir un peu justement pendant le temps de chargement. Normalement c'est assez rapide.
Mais ouais, sur les lives, on fait beaucoup. Alors, ça va être de la construction, de la Hey! défense de. La défense de base. Qu'est-ce que j'ai mis en arme? Est-ce que j'ai de la grenade? J'ai des cocktails. La défense de base, de l'exploration principalement. On fait pas du tout les quêtes. Ou alors, Y a plus rien. quand En on l'a passant, fait, c'est qu'on s'est je sais pas planté et trop. on est rentré dans un endroit où C'est c'était pas stress, prévu. à mon avis. Ouais, sûrement raison. En tout cas, voilà, on hésite au maximum Oui, de moi faire de aussi, je la. t'avoue. Commence pas à raconter n'importe quoi. On essaye au maximum de faire de l'explo. Tiens, bing, Quelque chose. ça c'est ta tête. Apparemment, il y a quelqu'un là. Ah, il y a un chien. Je vais t'arracher les Il y avait tripes un chien. et en faire un collier. Donc là, quand on regarde le petit carré. Ouais, il est là. Il est là. Je commence juste à m'échauffer. Strong, voilà. trouve-toi et cogne à mort. On va taper juste là. Ah, il est cassé. Ouais, mais attends. Doucement. Voilà. Strong est vainqueur. Le reste est plutôt au niveau inférieur. Ça, je veux pas y toucher. J'ai fait ça toute ma vie. Je crois que ce sera différent avec toi. Là, ils sont en bas. Hein. On va pas se faire chier, en tout cas pour l'instant on va juste fouiller. J'ai de la viande de rat de serre qui va me permettre d'emporter beaucoup plus de choses. Ça c'est top, donc là, on va pouvoir se permettre de chercher un peu. Il y a le bruit d'une tourelle. C'était quoi ça? Donc là il n'y a rien d'intéressant, tout est cramé. Là elle, on lui a fait péter le casque. Enfin, hop, de l'argent. Ça on prend, ça sert toujours. Une Coca-Cola, non, ça pèse lourd et c'est pas très intéressant. Ah, ici, il y a un coffre. On sait que Strong n'aime pas ça, mais Strong, il fera ce qu'on lui dit. Ah, comment ça? Ouais, ça s'est joué à un Génial. poil de cul, quoi. Vous avez vu quelque chose? Hop, là on va pouvoir continuer. Un petit peu encore. Ah, je remonte un peu. Parfait. Joli. Ça augmente l'XP, donc faut vraiment pas s'en priver quoi. C'est top. On va le faire marcher. Commande de protectron. Matrice de personnalité. On va le faire devenir policier. Je sais pas s'il l'était, il l'est peut-être déjà. Hop, sortie du poste de chargement. Activation. Oh top, comme ça il va pouvoir me permettre de couvrir ma sortie. Bah allez, je m'en fous. Avec les clopes, ça je prends. Pour votre sécurité, merci de nous avoir appuyé sur le corps. Oula, il y a de la mine là. Ok. Donc, si jamais il doit passer par là, lui. Bah, je sais pas où est-ce qu'il est là, ce con. De galérer un peu là. Bon, tant pis. Apparemment, j'étais repéré quand même. Donc, toujours pareil, mode survie. On utilise l'armure assistée que quand c'est vraiment nécessaire. Attention à la fermeture des portes. Ah, attendez, je vais essayer un truc. J'ai jamais utilisé, ce serait peut-être le moment. Non, quoi est-ce que j'ai trouvé ça? Un soin? Alors on joue la fille de l'air. Je voudrais essayer d'avoir accès à. Je sais pas si je suis repérable comme ça. Première vue non. Ça passe. Alors ce qu'on va faire. On va aller jouer infiltration. Un seul de bon. B-E-G-A-N, B-E-G-A-N. B-E-G-A-N. Ok, donc ce serait Glim. Pour votre sécurité, merci. Qui est là? Je suis vraiment mauvais des fois. Kinds, K-I-N-D-S. Je comprends que ça va marcher tout à l'heure. C'est bon. Pourtant, mon système était intéressant. Ok, ah, je peux pas avoir accès au. Ordinateur stupide! J'ai mis à Tsei. Il est là, comment il s'appelle? Oh merde. Je suis plus. Ça dure plus très longtemps en fait le Steam Boy là. Ok. Donc
là normalement je devrais être plutôt. Ok, ça suffit les conneries. Qui est là ? Hop, la tête a sauté ici. La deuxième a sauté aussi. Ah bah ça va mieux que le raid hein. Oula, c'est un légendaire, attention. Attention, attention, attention. Saleté de bruit. Je sais pas où il est. Tu te pointeras, je te tuerai. Essaye de switcher d'arme. Là. Strong, si tu veux, tu peux y aller quoi. Ah mais lol. Strong, des fois t'as le droit d'y aller quand même. Quoi? Putain, stupide. Le mec, rien à branler. Quoi. Lui s'est fait détruire. On remballe les gars. Y'a rien du tout. C'est le genre de truc où après on crève. Hein? C'est quoi ça? Bon, qu'est-ce qu'il donne? Caméléon. Les ennemis ont plus de mal d'identité quand vous êtes en furtivité et immobile. Ça, ça peut être sympa, ça. On va voir si je peux le modifier. Il y avait un piège. Vous avez vu quelque chose? Vous pouvez faire la différence. Hop. Dénoncez toute activité suspecte immédiatement. Moi, j'ai entendu quelqu'un, donc je vais juste faire gaffe. Sertube. Putain, il s'était pris dans la gueule. De baseball. Ah, ok, donc là de toute façon je suis trop lourd dans tous les cas. Et ben on va prendre de la viande de rat de serre. De toute façon on va courir puis on verra s'il y a des. S'il y a du discours qui apparaît. S'il y a du discours, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu. Rien d'intéressant. Ting ting. Là, on va fouiller bien entendu. C'est rien. Je les ai tous tués apparemment. Je dis apparemment, c'est toujours être méfiant. Il y a une porte. S'il n'y a plus rien, si je prends. J'éteins la radio pour éviter de se faire emmerder après. Il a 5 quoi. Il était bien équipé. Merde. Hey. Ça y est, on est trop lourd. Putain, pourtant, j'ai pas pris grand chose. Toujours cette misère. Ah, quoique, ouais, c'est vrai que les cartes, les machins comme ça, ça prend très rapidement de la place. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Vous voyez, grenade fumigène d'artillerie. Donc ouais, je récupère pas mal de grenades de fragmentation. Il y a aussi beaucoup, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, ça, il y a pas mal de stocks de munitions dans le fort. Donc cette quête vous permet d'en débloquer quand même pas mal, ce qui est assez intéressant. Vous avez vu quelque chose ? Ok. Ouais, j'ai vu un super mutant avec un humain, je sais pas si ça compte. Ici novice, ok. Module de capteur. Ouais, module de capteur. Une petite quête ça sympa. Bon, bah finalement, je pensais que ça allait être assez rapide, mais je me rends compte que il y a quand même pas mal de choses à récupérer, à visiter, et ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc, on va voir ce que ça va donner à la fin. Ah oui, non, le vase, ça je m'en fous. Ouais, l'ampouille parce qu'il y a du cuivre, hein, donc ça c'est très important. Bouteille de la vide. Du jet, petite voiture. Ah. Donc, quand même important aussi de monter ouais. Votre crochetage hein, si vous voulez vraiment récupérer plein de choses. Ça aide grandement,
Ou qui s'est bloqué. Attention, ami. Oh, putain. Je l'ai eu, quoi. J'ai pas vu celle qui était là, par contre. Heureusement, j'ai pu me dégager à temps. Scanner. Merde, c'était quoi ça? Oh merde. Là. C'est quoi ce bordel? Là. Voilà. On va pas bouger. Quoi? Et merde, encore un légendaire. Qui est là? C'est un cac qui va venir en cac. C'était quoi ça? Tu sens ça? Les humains, c'est fini. L'ère des super mutants est là. Trop de dispersion, changement d'arme. Ah, enfin il y va, putain. BAM! Coup de hache. Hey, c'est pas juste de disparaître. Un seul d'entre nous va survivre. Et ce sera mort. Pas toi. C'est de voir si j'ai pas raté des choses ici. Pourquoi? Ah bah la batterie, ça peut servir. Le truc des humains. Pas besoin. Ça c'est sûr que ça c'est la merdasse. Attention à l'espace entre le marchepied. Hé, hey, par ici. Que Strong comme... Non, j'ai besoin que tu prennes la batterie. Parce que ça prend pas mal de place. Ah, mais c'était une arme en fait. Je n'ai pas pigé que c'était ça. Capteur. Quelque chose. Attention, est-ce qu'il y a toujours le légendaire qui traîne? C'est pas vrai. Pas être très loin. Il est même pas très loin du tout. Attention, il arrive. Il ira bien paraître à court de munitions. Ah bah, tu seras certainement à court avant moi, mon gars. Oh! C'est ce coup qui m'a mis, cette fumée? Sale petit homme! Ça pique là. Je vous le dis, ça me pique grave. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Merci, mon ralentisseur de temps. Non, ouais, tout est nettoyé. Après, si je suis tombé sur une mine mal placée, ce serait dommage. Nocturne, lance-missile. Les dégâts plus importants au fil de la nuit et moins de dégâts en journée. Quoi? Je sais qu'il peut porter des lance-missiles aussi, mon ami. Donc ça reste de l'épique, donc je l'équipe. Faudrait que je l'utilise un jour, le lance-missile. Parce que j'en ai donné déjà un. Merde, Kael. Ah non, c'est une arme, donc ça sera en bas. Surtout si elle est épique, j'ai vraiment envie de la mettre tout en bas. Pourquoi? C'est une très bonne question. Hop. On verra après ce qu'on en fait. Ici, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Non. Il y a un truc des artilles. Boîte d'explosifs. D'ailleurs, je sais pas cette quête si c'était. Ah, c'était peut-être la quête pour Diamond City. Joli. Oui, moi je prends, j'aime bien les explosifs. En plus, j'ai monté mes compétences dedans. Ce serait dommage de s'en passer. Ah, la machette! Je ne veux pas de machette, c'est de la merde. Ok, donc là c'est réglé. Ah, ouais, non, mais c'est énorme en fait. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de. Autant de personnes ici, quoi. Là, faut faire gaffe, c'est des coups avec des pièges à la mort moelleuse. Hein. On va passer en mode silence.
surtout des grands couloirs comme ça bien illuminés. Ah, on peut pas faire péter, c'est moche. Ça, c'est un point négatif. Hein. Même dans Splinter Cell, les premiers, on pouvait faire péter les lampes pour pouvoir avoir plus la sensation d'immersion. Attention. Je sais pas s'il va repasser. En tout cas, là, il y a une fuite. Je sais pas c'est quoi son pattern, le gars. J'ai pas envie de me faire cramer, donc on va attendre un peu. Ça c'est fait. Hein? Est-ce qu'on a dit un mauvais coup? Je crois que j'ai réussi. T'as pas le droit de crever. Bon, écoutez, hein. J'en ai plein. Bon, si était moins bien lancé. Hein? J'entends quelque chose. Ça sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt fini. Mais oui ou merde. 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 Elle est morte. Ouais, il y a quand même des... Ouais, il y a des pierres qui piquent bien. Hein. On sent que les gars qui sont endurcis... Hein. Bah, déjà, ils ont beaucoup plus de points de vie. Ils sont beaucoup plus difficiles à démonter. Bon, c'est pas plus mal, hein. Des choses intéressantes. Après, des fois, les plus, c'est juste parce que... Oh, c'était le chien. Les plus, c'est juste qu'ils ont amélioré leurs armes. Enfin, leur armure. Et en gros, si vous enlevez ça et que vous mettez ce que vous souhaitez, bah... Pff, ça vaut plus rien, quoi. Okay. Faut faire attention. Ah ouais, non, mais c'est un truc qui est juste énorme, ici. Contrebande, bonjour. Là, c'est bon. Putain, mais c'est un ring et tout, là. Données. J'ai toujours pas fini la carte. Le train de tes injures. Parler aux habitants. Chasser les pierres de la zone. Station on joue. Pas un moment, j'y suis toujours. Écoutez, on va continuer alors. On doit être sur la bonne voie. Pour un peu, on va se retrouver complètement ailleurs. Ça me paraît bizarre quand même. Un éclairage. Bien sympathique. Ah, à droite. Il va y avoir encore des méchants. Il y a quelqu'un. Alors je sais que j'ai des grenades aussi que j'ai récupérées que j'ai jamais essayé, c'est les grenades boules. Grenade ronde. Cadeau. Danger. Je t'entends. Alors là regardez-moi ça. C'est quand même pas abusé ça. Grenade. Sans déconner. Je pue quand même. Sûrement imagination de Strong. Si tu peux te pousser Strong, putain. Cours. Supportable. Strong. Comme peureux. Peur de Strong.
pas le droit de crever. Ouais, c'est là. Parce que là on voit rien en fait. Donc ça j'ai fait péter le truc. Strong, tu pouvais juste te dégager. Beau combat. Tu auras une belle mort. Dégage. C'est bon, t'es mort ? Voilà. J'en suis pas à ma première bagarre, minable. Il y en a un qui se rapproche un peu. Ouais. Tu vas toi, t'as avec deux balles dans ton canon. Hein. Tu vois rien ? Ah, c'est pas ta première bagarre, mais tu prends cher dans ta face. Ouh, le headshot, il était bon. Ouh là 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 là, le massacre. Voilà, chasser les pillards, mission accomplie. Alors, des fois, faut faire attention parce qu'ils vous disent que c'est accompli. Et au final, il en reste toujours un qui traîne. Parce qu'en fait, vous avez tué le chef, mais il reste des sous-vifres. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a de sympa ? La pommade. Pommade. Ah, apparemment une représentation, c'est mal passé quand même. Le mec, il a dû se prendre des pommades dans la gueule. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça des pommades ? Est-ce qu'il y a un copyright sur la tomate qui fait qu'on peut pas l'utiliser, ou c'est juste parce qu'on est dans un univers post-apocalyptique et la pommade ça fait plus science-fiction ? Je ne sais pas, c'est une très bonne question. Il doit y avoir des théories certainement sur l'utilisation de la pommade, mais pour ma part, je ne sais pas. Bon, ici, il y a un petit truc. Ah ah, c'était bien caché, mais j'ai tout vu. Ah, c'est très bien, c'est une petite mini-bombe nucléaire pour le Fat Man, que j'ai jamais utilisé d'ailleurs. Enfin, peut-être que un jour je l'utiliserai. Le Voltex, ça me fait toujours rien. Très bien, et ça, ça nous fait passer aux clés du sous-sol. Feutre, feutre. C'est un magasin de sandwich. Et bah écoutez, finalement, ça aura fait une vidéo complète d'à peu près à 30 minutes. Donc comme je le disais, donc les lives plutôt le week-end ma foi, ou le jour où j'aurai plus de mission à faire, peut-être que je passerai sur du live exploration plus souvent. En tout cas voilà, moi dès que je joue, en tout cas en off, moi j'en fais profiter, je le mets en on, j'ai envie de dire, en live. Donc pour qu'on puisse échanger hein, de tout, de rien, plutôt de rien d'ailleurs généralement. Raconter la journée de merde que vous avez eue, enfin bon. Tout ce qu'il faut pour être heureux quoi. En tout cas, moi je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi donc cet épisode qui concernait le nettoyage de la station Andrew pour le compte d'une quête annexe. Je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt. Et bonne fin de journée. À ciao ciao. Allez, je vous laisse sur le kill du headshot. Merde. Allez, vous en voulez encore ? Allez, c'est gratuit. C'est gratuit, on se fait plaisir. Allez. Là, il doit être au niveau au-dessus, je suppose. C'est con, c'est là où ça commence à ramer. C'est Steam qui doit commencer à se mettre à jour. Strong l'a démonté. Surtout, voilà, comme j'ai dit, n'hésitez pas à lui mettre un coup, sinon vous gagnez pas les points d'expérience. Oh, il s'est pris un coup de hache. Allez, à ciao, ciao.